Salut à tous, Celsi Gaming, et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit deck pour être en arène 11. C'est hyper difficile, j'essaie de trouver un bon deck pour essayer d'arriver en arène 12, pour essayer d'avoir ces deux personnages là. Franchement, si je reçois déjà ça, c'est magnifique. Je vous montre vite fait mon deck. Ici, j'ai mis ceci. Alors, ça gèle, ça. Comme je l'ai déjà avec un talent, c'est-à-dire que je mets canon rayé, inflige 105 de dégâts supplémentaires au boss. Après, il y en a un autre ici, c'est infliger 50% pour les mini-boss ou les dégâts en dégâts de zone. Mais moi, je préfère beaucoup plus infliger 105. Ça le détruit une certaine rapidité, c'est ouf. Puis j'ai tout ça comme personnage, j'ai essayé un peu tout ça, mais il faut mettre avec ceci. Il faut attendre qu'on a beaucoup beaucoup de mana. Plus on a de mana dans le stock en bas, plus lui il est fort. Mais c'est difficile d'avoir du mana. Et voilà quoi. Puis j'ai ça en or. Franchement, celui-là pas mal. Celui-là pareil. Après, il faut savoir jouer avec. Hein. Franchement. Ça, il y a trois transformations. Après, je sais pas s'il y en a encore plus. Allez, assez bavardé. On va essayer de bien jouer. Voilà. Ah oui, autre chose. Il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. C'est que quand vous allez dans Héros, ici, il y a des récompenses, comme vous voulez les appeler, des objets en fait. Dans les objets, vous savez bien que vous pouvez soit les forger, mais il en faut quatre, bien sûr. Et en gros ici, moi je mets beaucoup, c'est Alliance de tous les royaumes, dégâts critiques 50% plus 10. Plus il est amélioré au-dessus, ben plus vous avez de pourcentage. Puis ici, moi je mets aussi des dégâts, fusion de dégâts, etc. Et puis le bouclier, à part ce qu'il y a ici au-dessus, il n'y a pas en fait. Il n'y a pas encore. On attend tous une grosse mise à jour qui font le nécessaire. Allez go, je vais mettre GSJ. Alors, je sais pas si avec le son ça va vous déranger, on va peut-être pas m'entendre. Si on m'entend pas, j'essaierai de pas trop parler. Allez, let's go. En gros, en bas, moi je fais quoi? C'est que je mets toutes mes unités. Je vais essayer de mettre les unités à mort. Même si je perds sur la vidéo, je vais pas recommencer la vidéo 20 fois. Celle-là, c'est la bonne. Je mets toutes les unités en cercle, c'est-à-dire que je les améliore pas tout de suite. Et après en bas, soit je les améliore, ou des fois si la marionnettiste, là je n'améliore pas en bas, parce que sinon ça va, ils vont me faire descendre le niveau. Ici à la Gorgone, alors on va mettre toutes les unités à fond. Vous voyez celle-là ici, ça c'est une des meilleures, quand il y a les boss. Alors pour tout ce qui est missile comme ça, ce qu'il faut savoir c'est que si on a que deux, ils vont pas avoir de flammes comme ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de dégâts si je me souviens bien. À part quand il y a le petit carré qui est ici vert, j'essaie d'améliorer pour avoir un 2% de plus d'attaque. En fait. Vous voyez les flammes sur les fusées. Alors je connais pas encore exactement les noms comme Clash of Clans ou Clash Royale, les unités. Après avec la suite, j'apprendrai vraiment à savoir. Ok, super. Je me suis trompé, j'ai voulu m'améliorer ça et en fait j'ai été rappelé sur ça.
je me soucie pour avoir plus de dégâts en un coup. L'exemple, il est déjà quasiment à la fin. Normalement, j'ai gagné. Là, il a mis ça, mais c'est pas assez pour. Voilà, voilà, j'ai gagné. Franchement, même si j'aurais pas gagné, j'aurais mis quand même la vidéo. Voilà mon petit deck. Franchement, celui-là, il va super bien. Et n'oubliez pas de faire les quêtes quotidiennes qui se trouvent en haut à gauche. Quêtes. Soit vous faites méga coffre, c'est-à-dire que vous regardez beaucoup, beaucoup de publicité. Ceux-là de la saison. Ceux-là, il faut les faire aussi, à part que l'unité là, je ne l'ai pas encore. Alors, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont stoppés. Toujours les unités, il faut les faire. Et où il y a la couronne, à droite, il y a les étapes au-dessus. Étape 7, moi je ne savais pas, c'est ici un copain, il m'a expliqué. Parce que lui, il est déjà à l'étape, il est déjà passé à l'or. Celui-là, il a déjà eu. C'est-à-dire que vous gagnez tout ça qu'il y a ici. Et on gagne une carte en or, quoi. Ça, c'est magnifique. Ça, je ne savais vraiment pas. Ici, je suis à l'étape 7, je viens de la faire aujourd'hui, je viens de faire la 6. Et en gros, il faut compléter toutes les quêtes qui demandent. C'est pas difficile, hein. Franchement, c'est vraiment pas difficile à les faire. Mais franchement, vous gagnez des beaux cadeaux. Franchement, vraiment pas mal. De belles récompenses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était LC Gaming. Allez, salut. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement si vous y êtes resté jusqu'au bout. Mais j'imagine que non. Allez, salut!